De Alto Cedro voy para Marcané y llego a Puerto, voy para Mayarí. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Puerto, voy para Mayarí. De Alto Cedro voy para Marcané. Salut et bienvenue dans le MAG. Aujourd'hui, mes invités sont Rage Against the Machine. C'est leur dernier album. C'est un groupe engagé, assez militant. Nous sommes au Zenith pour le concert qu'ils vont faire ce soir. N'oubliez pas que pour les futurs artistes, vous pouvez poser des questions, soit par Minitel, soit par l'Internet, soit par téléphone. Allons-y pour la première partie. El cariño que te tengo, no te lo puedo negar. What's up? This is Tim and Tom from Rage, and you are listening to and watching The Mag. Very good. Thank you. Thank you. Okay. C'est bon? Très bien. Bonjour Tim, bonjour Tom, merci d'être avec nous aujourd'hui dans le MAG. Vous êtes un groupe typique de Los Angeles, ville qui devient de plus en plus multiraciale, où dans certains quartiers, il faut même parler espagnol pour être accepté, comme à Miami. Quelle est, selon vous, la bataille à mener pour que Los Angeles devienne une société parfaite? Mon Dieu, Los Angeles est bien loin d'être une société parfaite. Mais il existe au sein de la ville une division de races et de classes très importante qui, selon moi, ne sont pas facilement compatibles au sein de la société telle qu'elle fonctionne actuellement. Les batailles à mener dans cette ville sont multiples. Cela va de la santé à l'environnement, passant par les droits des travailleurs. Now, Zach a déclaré que The Battle of Los Angeles est l'album que vous aviez toujours eu envie de faire car il allie à la perfection le hip-hop, le punk et le rock de Détroit. Pouvez-vous nous définir ce que c'est exactement le rock de Détroit? C'est de la techno? Je sais pas trop en fait. MC5, la techno, c'est nouveau ça. Je ne savais pas que notre album était une fusion de rock de Détroit. Détroit Rock City est une chanson que nous connaissons bien, mais bon, ce terme est tout nouveau pour moi. Mais en effet, cet album mélange des éléments extraits du rock violent comme celui des Stooges et du MC5 avec des éléments de hard rock et de hip-hop. Je pense que notre album réussit vraiment à combiner tous ces éléments, mais bon, c'est vrai aussi pour notre musique en général. Je ne peux pas regarder en arrière. Je sais très bien que notre prochain album sera meilleur que celui-ci. Même si celui-ci est génial, il est encore mieux que Evil Empire. Mais bon, le but est de s'améliorer chaque fois davantage. Je n'aime pas regarder en arrière car je pense que nous sommes un groupe unique. Nous mélangeons des styles que d'autres n'ont jamais pensé à faire. Et je vois bien aujourd'hui qu'il y a une vague de groupes en ce moment qui est très proche de notre style. Mais nous n'en faisons pas partie. Vous comprenez? Nous avons notre propre style. Vous aimez beaucoup le groupe The Clash et Joe Strummer a dit un jour que la meilleure chose qui pouvait arriver à un groupe était de sortir un morceau complètement inattendu. Envisagez-vous de composer un morceau au style complètement différent pour pouvoir toucher les ministres et les présidents pour faire avancer plus vite les causes que vous défendez? Alan Key était dans la fosse. Il slamait sur nos morceaux. Alan Key veut être président et il était là avec la foule qui slamait sur Rage. Je pense que si notre musique devient plus accessible, cela ne changera pas l'état d'esprit des présidents et des ministres, mais cela encouragera les gens à renverser le gouvernement afin d'améliorer la société dans laquelle ils vivent. D'accord. Mais si les jeunes écoutent Rage et se disent « on veut vraiment faire quelque chose pour l'Amérique, on veut changer la culture en place dans notre pays », peut-être que le meilleur moyen est de le faire éventuellement par les billets de la politique, mais les gens qui s'y sont risqués ont tous été assassinés. Alors, qu'est-ce que les jeunes peuvent faire? Vous savez, c'est pas nouveau. Tous les changements que vivent les États-Unis dépendent d'une bonne organisation. Mais rien ne dépend des leaders en général, mais des noms des gens qui vont retenir les noms de ceux qui œuvrent pour les travailleurs, les droits civils, les droits des femmes. C'est ceux qui organisent des manifestations et qui défilent pour les immigrés. Ce sont les femmes qui ont envahi les rues de Washington et qui protestent pour plus d'égalité dans le monde du travail et dans l'isoloir lorsqu'elles votent. Ce qui compte, c'est d'agir au même titre qu'un acteur qui apprend à jouer ou un révolutionnaire qui s'insurge. Ce n'est pas quelqu'un qui reste là avec ses livres et ses belles idées et qui décide un jour d'aller se battre. Ce sont toujours les actions qui parlent d'elles-mêmes.
C'est comme tous ces jeunes à Seattle qui ont manifesté contre le traité de l'OMC. Qu'on suive leur exemple. On peut protester contre ce traité et c'est déjà un très bon pas. Ils se sont tous insurgés. Puis les flics se sont pointés et ont tiré dans le tas. Ouais, ils leur ont tiré dessus. L'autre jour, on était en train de tourner le clip de notre prochain single, Sleep No In The Fire, où Rage Against The Machine a fait fermer les portes de la bourse de New York. Michael Moore a réalisé ce clip et a également réalisé les films documentaires Roger et moi et The Big One. Il est célèbre pour ses films satiriques sur la politique américaine. Il est excellent. On tournait donc ce clip sur les marches du Federal Hall, juste en face de la bourse de New York. Clip que vous verrez bientôt, donc je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais bon, la police a arrêté Michael Moore et l'a chassé. Ah bon ? Ouais, ils étaient dans tous leurs états. La bourse a porté plainte contre nous et les portes d'acier du capitalisme se sont refermées un mercredi après-midi, 2 heures avant la fermeture habituelle. C'était mortel. Une bonne journée de bureau pour Rage Against the Machine. Sur la BO du film Tueur né. En France, des adolescents ont tué des policiers après avoir vu ce film en boucle. Avez-vous vu ce film avant d'accepter d'y faire figurer vos chansons? Et quelle responsabilité pensez-vous avoir sur les jeunes? On n'a pas vu ce film. Je pense que c'est un très bon film car il reflète extrêmement bien la violence dont sont victimes les États-Unis. Mais je ne crois pas que Tueur né soit responsable du massacre qui s'est passé en France. Si un film devait pousser les gens à agir de la sorte, tous ceux qui ont vu ce film auraient dû abattre des flics. C'est l'éducation, les conditions économiques qui sont responsables de la folie de ces jeunes et qui les ont poussés à commettre un tel acte de violence et non pas le film en lui-même. Mais ce sont ce genre de drames qui poussent l'extrême droite à censurer l'art en général. Les films, la musique, faut vraiment faire attention. Je comprends le fait qu'il y ait beaucoup de policiers corrompus dans tous les pays, mais essayez-vous de nous faire comprendre qu'il s'agit là d'un certain pourcentage de policiers ou s'agit-il de tous les policiers en général? Je pense que les policiers sont juste un produit de notre système qui est mauvais. Il y a des bons et des mauvais flics, comme par exemple le Ku Klux Klan. Ce sont des organisations différentes qui n'ont rien à voir avec les policiers noirs. Les flics et la police en général sont contre nos concerts, mais les policiers noirs n'en font pas partie. C'est très révélateur. Je joue dans une équipe de football avec un flic qui est aussi un ami et c'est un chic type. Il ne tabasse personne et je crois qu'il fait bien son boulot. Il a réussi à me faire changer d'opinion sur la police. Avant, j'étais très catégorique. Je haïssais tous les flics, mais le problème ne vient pas de la police. Il vient de plus loin que ça. C'est vers l'Organisation mondiale du commerce qu'il faut se tourner, non pas vers la police. C'est absolument vrai. Je pense que le problème de la police est le reflet symptomatique d'un problème beaucoup plus grave au sein de la société. Même si certains flics sont bons en tant qu'individus et que certains ne le sont pas, il n'empêche que leur rôle au sein de la société est avant tout de protéger les droits des citoyens. Quand les jeunes sont descendus dans la rue pour protester contre l'OMC en revendiquant le fait que les droits des travailleurs étaient bafoués et que l'environnement souffrait des mesures prises par l'OMC, les flics se sont mis à leur taper dessus, car ils constituaient une menace grave à l'ordre économique en place. Parmi ces flics, je suis sûr que certains sont très sympas, mais leur boulot est avant tout de tabasser ces jeunes s'ils menacent les privilèges et le pouvoir du gouvernement. Votre dernier album, vous demandez si vous étiez vraiment sérieux quand vous vouliez incorporer certains sons de guitare bizarroïdes que vous auriez très bien pu faire à l'aide des machines. Pourquoi, à votre avis, trouvait-il vos idées ridicules? J'adore Brendan, mais son registre musical est, disons, plus country rock. Il aime tout ce qui est rock traditionnel et les guitares de rock basique. Il joue avec Georgia Satellite. Oui, il joue de la guitare avec les Georgia Satellite et Brian Crowe. Vous le reconnaîtrez peut-être à ses dents écartées. Mais il vient d'un univers musical beaucoup plus traditionnel. C'est également un excellent guitariste. Il a une approche de la guitare différente de la mienne. Je peux jouer un solo ou faire des effets qui vont beaucoup me plaire.
mais ça n'aura pas l'impact que je veux sur CD. Pourquoi pensez-vous qu'il y a autant de guitaristes qui craignent de donner libre cours à leurs inspirations comme si c'était un sacrilège par rapport à tous les autres guitaristes qui les ont précédés? On retrouve le même problème avec les bassistes. Quand on choisit un instrument et qu'on commence à jouer de la guitare, car on aime bien certains guitaristes, le but est bien souvent de réussir à jouer comme eux. Dans mon cas, j'ai mis des années à comprendre qu'en fait, ce qui me plaisait chez eux, c'est que chacun d'entre eux avait un jeu de guitare unique. Mais ce n'est qu'après de longues années de travail soutenu que j'ai pu trouver mon propre jeu de guitare. Mais au début, quand j'ai enfin pu jouer Crazy Train d'Ozzy Osbourne, j'étais super content car je me disais que je ne pourrais jamais jouer de meilleurs morceaux que ça. Car en fait, ce qui me plaisait, c'est d'avoir été capable de le jouer moi aussi. Le chant de Zach laisse une grande place à la ligne mélodique de la guitare. Comment réussissez-vous à obtenir un équilibre entre l'apport mélodique du chant de Zach et l'apport mélodique de la guitare lors de la composition? On ne décide jamais rien, on joue, c'est tout. On écrit la musique, la compo musicale vient toujours en premier, puis on joue tous les quatre ensemble, et c'est en jouant et en expérimentant qu'on finit par trouver ce que l'on veut. Puis on enregistre, on met le morceau en boîte, et on ne se prend jamais la tête en se disant « Bon, cette chanson va parler de ça, la guitare sonnera comme ça. » On essaie de s'impressionner mutuellement, enfin c'est comme ça que je vois les choses. Car je me dis que je joue avec de très bons musiciens, et quand on joue ensemble, on veut être sûr de s'épater mutuellement. Puis une fois rentré chez nous, on essaie des trucs. Je prends par exemple la ligne de guitare qu'a trouvé Tom en collant une ligne de basse différente. Peut-être que je vais rester fidèle à la sienne ou peut-être pas. Le principal, c'est de trouver le truc qui sonne le mieux et qui déchire bien. Absolument. Il est intéressant de noter que lorsque Zach a écouté les premiers morceaux de l'album, il n'a pas du tout accroché à la musique. Il a même dit, au lieu d'en rester sur mes premières impressions négatives, je vais laisser parler ma haine de ce son dans mes textes. Et c'est ce qui, au final, a donné un album encore plus puissant de ce qui avait été prévu au départ. Nous avons tous des goûts musicaux différents, ça a toujours été le cas, et ce dès le départ. Ce qui a rendu le son de Rage Against the Machine unique et puissant, c'est justement la fusion de nos goûts musicaux. Si chacun d'entre nous décidait de faire un album solo, je pense qu'on ferait tous un album différent. Mais quand on joue ensemble, ça donne le son que l'on trouve sur Battle of Los Angeles. C'est cette alchimie au sein du groupe qui est à la base de notre son unique. L'alchimie est le concept de base auquel l'industrie du disque ne prête pas assez attention. Ils pensent juste à se faire du fric. Tout est histoire de label, d'artiste solo. On n'entend jamais parler d'alchimie de groupe. Rage a cette alchimie et franchement, j'ai déjà joué avec d'autres musiciens et je n'arrivais pas à jouer. C'était pas possible. Oui, ça marche pas. J'y arrivais pas, mais avec Rage, tout est plus facile. Pour en revenir à Joe Strummer, j'ai vu une interview récemment où il disait « Quand vous trouvez un groupe de musiciens avec qui vous réussissez à obtenir cette alchimie, ne partez pas, car c'est tellement rare. Il faut essayer d'avancer et suivre sa voie musicale et ne pas s'en détacher. » Lequel d'entre vous a dit après l'album Evil Empire, « Écoutez les mecs, il y a vraiment quelque chose de fort entre nous, recentrons-nous et continuons. » Qui doit-on remercier pour avoir un troisième album de Rage Against the Machine? C'était plutôt durant la composition de l'album Evil Empire que l'on a redécouvert ce que chacun de nous pouvait apporter de nouveau d'un point de vue musical pour faire un disque. Pour notre premier album, nous avons tous jeté nos idées en vrac et les chansons ont été écrites en deux temps trois mouvements.
Tandis que pour Evil Empire, le processus de création a été beaucoup plus long car on essayait de trouver un concept pour faire un disque qui ferait la fierté unanime du groupe et qui incorporerait les idées de chacun. Cet album est sorti car on s'est dit que si le groupe avait une raison d'être, il fallait que cet album contienne mes idées, celles de Tim, de Zach et de Brad. Et c'est cette alchimie d'idées qui insuffle à mon avis cette puissance à notre musique. Il faut toujours être à l'écoute de chacun. Nous avons sorti 3 albums en 8 ans et ce n'est pas comme si on les avait sortis d'un chapeau. Pour cet album, l'alchimie au sein du groupe n'a jamais été aussi forte. Et quand on répétait nos morceaux dans notre petit studio à Hollywood, c'était cool et musicalement on s'est bien éclaté. Qu'avez-vous pensé de la reprise de Rock the Casbah de Clash par Will Smith? Et que pensez-vous du hip-hop actuel comparé au hip-hop de Public Enemy? Le hip-hop n'a pas changé. Je pense que nous vivons ce que les gens vivaient dans les années 60, quand le rock a commencé à influencer d'autres styles musicaux, ou dans les années 50, quand le rock a fait son apparition et a influencé les groupes de l'époque. Je pense qu'il en va de même pour le hip-hop. Dans 20 ans, on se dira avec le recul que le hip-hop a vécu le même sort que le rhythm and blues, le jazz, etc. C'est simplement un autre style musical qui vient de la communauté afro-américaine et qui est né dans les rues. Maintenant, c'est un style très populaire et j'adore le hip-hop. C'est vraiment cool. J'écoute que de hip-hop en fait, car ça a un côté rebelle et excitant que j'apprécie beaucoup. J'aime le son et le chant des groupes hip-hop. Il y a des musiciens qui vont bien au-delà des samples de disques que l'on a l'habitude d'entendre. J'écoutais DJ Quick l'autre jour qui disait qu'il composait lui-même ses morceaux au clavier. Il poussait les gens à faire leurs propres compos et c'est comme ça que je vois l'avenir de la musique. L'horizon musical du hip-hop tend à s'élargir de plus en plus et il va se passer la même chose avec les autres styles musicaux, et surtout aux États-Unis. Et que pensez-vous de la reprise de Clash de Will Smith? Je ne la connais pas, mais Tom, oui, je crois. Il n'y a rien de nouveau. Il a juste samplé des riffs groove, une bonne accroche mélodique pour faire un tube hip-hop facile, mais bon, c'est complètement stérile. J'espère juste que Topper Eden des Clash, qui a écrit cette chanson, encaissera un gros chèque, car il le mérite. Puisqu'on parle de gros chèques, je suis sûre que beaucoup de spectateurs qui regardent cette émission ont dû voir les clips tirés du film Godzilla avec Puff Daddy et Jimmy Page. Et ont dû croire que c'était Jimmy Page qui était à la guitare, mais en fait, c'était vous, Tom. Alors, ils auraient pu quand même vous mettre dans les clips, non? C'est trop drôle. C'est vrai, mais je n'ai pas envie de m'en prendre à mon héros. Je ne sais pas si c'était son idée ou celle de son manager, mais il refuse de partager la vedette avec un autre guitariste. Et à mon avis, Jimmy Page ne sait même pas que ce n'est pas son jeu de guitare qu'on entend sur le mic. Et juste nous rejoindre, nous sommes dans le mag avec Rage Against the Machine, deuxième partie. À l'occasion d'un concert, vous êtes monté sur scène et vous êtes resté là pendant 15 minutes complètement nu, la bouche bâillonnée. Pour quelle cause seriez-vous prête à recommencer? On a joué nu ici au Zenith. Je ne sais pas si vous vous en souvenez d'ailleurs, on n'est jamais sûr de rien avec Rage. C'était pourquoi déjà? Tout à l'heure j'y ai repensé en mangeant ici. C'était en 94 quand on a joué le morceau Freedom au Zenith où on s'est un peu lâché, c'est vrai. Je crois que c'était pendant les derniers appels. Ah oui, il y avait Living Color en première partie. Ouais, et on s'est dit, allez, on le fait. C'était Helmet ou Living Color déjà? Living Color. Ah ouais, c'était Living Color. C'était en protestation contre le PMRC, une organisation qui censure la musique à tout va. Cette organisation est gérée par Tipper Gore, l'épouse d'Al Gore, qui a failli à un moment devenir la première dame des États-Unis. Elle a finalement déposé les armes car ses revendications allaient à l'encontre du premier amendement et cela pouvait nuire à l'image de son mari. Mais à l'époque, en 93, c'est comme maintenant d'ailleurs, il y avait un mouvement d'extrême droite dont le but était de censurer la musique et d'étouffer les artistes engagés. Ils déguisent toujours l'affaire en disant que nos chansons sont truffées de mots grossiers, mais avant tout, ils visent surtout les groupes qui plaisent et qui ont un certain succès auprès des jeunes pour les faire changer d'idée. En 1993, ils se sont attaqués à des
des groupes comme Two Live Crew et Public Enemy, car ils commençaient à devenir très populaires dans les banlieues chics des Blancs, où les jeunes viraient les posters de Bon Jovi pour mettre ceux de Public Enemy à la place. Ça constitue une véritable menace pour l'établishment. Voilà pourquoi ils ont pris des mesures répressives. Il se passe toujours la même chose maintenant avec Rage Against the Machine et toutes les séquelles de violence qui ont suivi le drame de Columbine. Ils essayent d'épingler des groupes en démontrant que c'est à cause d'eux que les jeunes deviennent fous, alors que ces groupes sont les seuls à leur dire la vérité. Que le ciel aide la société américaine le jour où ils vont interdire le rock'n'roll et où les jeunes perdront tout sens de la communauté. Sens de la communauté qu'ils ne trouvent pas chez eux, qu'ils ne trouvent pas dans leur école et qu'ils parviennent parfois à obtenir grâce à la musique. Donc pour répondre à votre question, nous avons fait ça en protestation contre la censure. On était nus, mais on ne se déshabillera pas ce soir. Mais on jouera encore nu, on n'a peur de rien. On n'a pas peur, mais bon, pas deux fois dans la même ville. C'est un peu comme les Jeux Olympiques. Vous avez donné récemment un concert au Mexique pour aider les peuples du Chiapas. Comment les Mexicains vous ont-ils accueilli? Et quels progrès avez-vous remarqué depuis? Le concert s'est fini, puis on a joué quelques inédits. C'était génial, les gens sont entrés dans la salle, suivis par des milliers d'autres. Il y avait donc énormément de gens à Mexico. Ils ont été très excités à l'idée de venir nous voir en concert. Mais bon, pour ce qui est de l'amélioration des problèmes socio-culturels, je ne sais pas si les choses ont vraiment bougé. Les zapatistes continuent à lutter pour préserver leurs droits. Et le gouvernement, aidé par les États-Unis, commence à y voir un peu plus clair. Je sais qu'un nouveau parti politique émergent est en train de démontrer que l'ALENA nuit au Mexique. Mais le reste de leur programme ne vaut pas mieux. Ils veulent faire payer les gens pour aller à l'école, alors que des gens sont morts en 1968 pour que l'école soit libre. C'est vrai. Donc je ne sais pas trop. Ça me fait penser à une poudrière juste aux frontières des États-Unis. La Californie aussi. On devrait tous savoir parler espagnol. Comme tout le monde aux États-Unis d'ailleurs. Tous les Américains devraient apprendre l'espagnol. Ainsi, on en serait un peu plus sur nos voisins. J'ai appris que le Vatican a transféré l'évêque Vera, qui se trouve au Chiapas, car il avait un rôle beaucoup trop important sur le conflit des peuples indigènes au Chiapas. Donc quand on sait que la religion est censée aider les gens, ce transfert nous fait plutôt penser que le Vatican regresse au lieu de progresser. Non? Personne ne croit en l'aide du catholicisme, n'est-ce pas? Si vous comptez sur le Vatican pour résoudre les problèmes du sud-est du Mexique, vous pouvez toujours attendre. Mais quand une personnalité de l'establishment, du gouvernement ou d'un quelconque mouvement religieux soutient les revendications du peuple, vous pouvez être sûr qu'on s'en débarrassera comme du chien d'en et qu'on l'enverra directement au Vatican pour une bonne correction. Et là, visiblement, c'est ce qui s'est passé. Tim, vous avez reçu une éducation catholique assez stricte. Qu'est-ce que vous aimeriez inculquer ou pas à vos enfants? Quand j'allais à l'église, je faisais ce petit signe débile avec la main. C'est vrai, je vous assure. Chaque fois que j'y pense, je me dis, bon, je vais essayer de faire ce signe avec mes doigts, comme une flèche, et je vais la diriger vers la porte, car il n'y a que la sortie qui m'intéresse. Et je dirais à mes enfants qu'ils peuvent essayer toutes les religions, je ne les forcerai jamais comme l'a fait mon père. Je me souviens, j'étais allongé sur le lit et je suppliais pour qu'ils ne me réveillent pas pour aller à l'église. Il y a des dimanches où ça se passait bien, mais je suis convaincu que l'église catholique ne détient pas la vérité universelle. The wealthiest big business in the world, the Catholic Church, you know. C'est de la connerie. Je suis vraiment gêné quand je les vois faire. Et j'ai surtout les boules quand je vois que des prêtres violent des enfants. All the priests are raping kids and whatnot. Oui, ils n'ont pas le droit de se marier. Car ce sont des hommes avant tout, et ce n'est pas juste. C'est bizarre et horrible à la fois, car c'est bien imprégné dans notre société. Nous nous gargarisons en disant qu'on est tous des patriotes et qu'on est tous pour Dieu, qui dans la Bible est dépeint comme un homme à part entière, et où les femmes sont carrément soumises aux hommes. Et franchement, je ne crois pas à tous ces trucs dictés par la religion catholique. Je crois plus au fait que l'homme descende du singe, car les femmes et les hommes sont les mêmes. Je crois plus au fait que les femmes sont plus matriarcales que patriotiques, et il en va de même pour moi. Il n'y a aucun doute là-dessus.
Padre suo. Il padre mio. Tom, je sais que pour beaucoup de parents afro-américains aux États-Unis, l'unique moyen de réussir pour leurs enfants dans la vie est de faire de bonnes études. Vous avez suivi de longues études à Harvard. Pensez-vous qu'il est difficile pour certains enfants qui ne sont pas vraiment intellectuels de suivre des études longues? Et est-ce que vous leur faites passer les messages à travers votre musique? Je ne pense pas que de longues études soient la solution au problème, mais je ne suis pas sûr d'avoir très bien compris votre question. Vous avez suivi de longues études, et pour beaucoup d'enfants, c'est le meilleur moyen de réussir dans la vie. Mais le fait que vous avez choisi de faire du rock and roll, pensez-vous être un certain espoir pour les enfants qui peuvent dire à leurs parents: regarde, il défend les grandes causes et il n'est pas prof pour autant. Ouais, tout à fait. Quels que soient les diplômes que l'on a, que ce soit le bac ou un doctorat, c'est l'intérêt que l'on met dans ses études qui compte. Quand j'ai choisi d'utiliser à bon escient ce que j'avais appris à l'école et ce que m'avait appris la vie, j'ai réussi à mettre en avant mes compétences de guitariste, j'ai rencontré des musiciens et on a pu former un groupe où je n'utilise qu'une part infime de mes études. Mes trois collègues de chambre, qui étaient des camarades vraiment géniaux, ont suivi des voies professionnelles plus classiques. Un travail dans une banque, l'autre est devenu docteur et le troisième est avocat. Ils ont tous suivi des voies professionnelles plus traditionnelles. Je viens d'une famille unique qui a accepté que je suive des études à Harvard et que je parte en Californie sans un sou à Hollywood, où je vivais dans... Dans un trou sordide. Quand je l'ai rencontré, il vivait dans un appartement et il partageait sa chambre avec un colocataire. C'était une chambre, c'était même pas un studio. Comme ici ou plus grand? C'était grand comme ici. Une porte donnait sur la cuisine, il y avait aussi un placard, et quand on s'approchait, on pouvait voir un trou. Et c'est Tom qui avait creusé ce putain de truc. Et de là, on voit une espèce de cachibi dégueu avec deux cercueils puants et plein de sueur. Voilà où vivait Tom Morello. Voilà un message pour les jeunes qui ont suivi des études. Comment être diplômé de l'université d'Harvard et atterrir dans un squat paradisiaque? Vous êtes un groupe qui est resté fidèle à une certaine attitude sur scène et à vos convictions, mais maintenant que vous êtes mieux placé dans les charts que Mariah Carey, vous êtes passé dans l'émission de David Letterman et dans d'autres grandes émissions télé américaines. Pourquoi pensez-vous que le média grand public s'intéresse à vous maintenant? Elles nous ont toujours intéressés. Depuis le succès commercial de notre premier album, nous avons vendu 4 millions d'exemplaires dans le monde entier. Il est normal qu'on s'intéresse à ce genre de propositions. On choisit et on fait ce que l'on veut dans le but de servir nos propres intérêts, c'est-à-dire pour faire passer notre message et toucher les gens que nous voulons en tant que groupe. Il y a toujours des opportunités à saisir pour un groupe qui vend bien ses disques, que ce soit votre émission ou celle de David Letterman. Il faut juste profiter de l'émission que l'on veut. En 97, le Wu-Tang Clan a entamé une tournée avec vous, mais ça n'a pas duré longtemps. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est vous qui leur avez demandé de partir? Oh non. Ils ont jeté l'éponge, c'est tout. J'ai toujours été un grand fan du Wu-Tang et j'étais très excité à l'idée de partir en tournée avec eux. Ils étaient tous là pour le premier concert et c'était vraiment bien. Mais petit à petit, ils commençaient tous à partir. Certains ne pouvaient pas venir pour une raison ou une autre. Puis ils ont fini par casser le contrat de tournée. Ça craignait vraiment car c'était la première fois qu'on avait la chance de faire une tournée avec un vrai groupe de hip-hop à travers toute l'Amérique, juste pour prouver que personne n'allait mourir dans les villes où on se produisait. Ils ont abandonné cette tournée et ils ont donné l'occasion à d'autres groupes de tourner avec nous, comme Gangstar, lors de notre dernière tournée, et c'était excellent. J'ai eu une discussion avec Reza. Il m'a dit qu'il avait beaucoup de problèmes internes, car c'était un collectif de 9 rappeurs. Et c'est déjà assez compliqué quand on est 4 de partir en tournée et d'y rester, mais 9, vous pouvez facilement imaginer.
L'organisation doit être très compliquée. Ouais, c'est très compliqué. Ils ont beaucoup de difficultés. Certains n'étaient pas rentrés chez eux depuis longtemps. Et surtout, ils n'avaient jamais fait de vraie tournée. Ils avaient beaucoup de mal à s'organiser. Et vu leur programme, ils ne pouvaient pas partir longtemps. Mais nous n'avons rien contre eux. On adore le Wu-Tang. Et le peu de concerts qu'ils ont assuré avec nous était super. Durant l'émission, les spectateurs peuvent poser des questions soit par téléphone, soit par Internet. J'en ai choisi trois. La première question vous concerne Tom. Votre père est noir, votre mère est blanche. Vous avez sûrement dû être victime du racisme. Mais ce que vous avez dit d'intéressant, c'est que les blancs pauvres issus d'une classe sociale défavorisée se fourvoyaient complètement en étant racistes. Avez-vous noté un quelconque changement positif avec ces gens-là et avec les blancs riches que vous côtoyez maintenant? On assiste à un léger progrès aux États-Unis, mais il serait erroné de croire qu'il n'y a pas de racisme et que le racisme n'est pas dangereux. Dans mon enfance, ma mère essayait d'être professeure de lycée dans les banlieues de Chicago. Le lycée l'autorisait à enseigner dans la communauté, mais vu que notre famille était mixte et que ma mère avait un bébé d'un an métis, elle ne pouvait pas vivre à Chicago même, mais dans les ghettos de proximité. Et quand on a pu vivre dans Chicago, on a dû faire tous les appartements de notre immeuble pour que les locataires acceptent qu'on vive ici. J'ai eu beaucoup de chance, car je suis kényan et non pas afro-américain, ce qui les aurait carrément effrayés. Il me voyait comme quelqu'un de très exotique. Mais plus tard, quand j'ai voulu sortir avec leur fille, c'était une autre histoire. Mais le racisme est toujours un sentiment très symptomatique. C'est un symptôme qui remonte à l'Antiquité où les classes dirigeantes se sont servies du racisme pour séparer les sous-classes. Et si on réussit à dresser au sein des classes sociales défavorisées les blancs contre les noirs, les coréens ou autres, on ne sait plus qui est le véritable ennemi. Le but est que les pauvres et les classes moyennes s'unissent et fassent front ensemble au problème. Voici maintenant ma deuxième question Internet. Vous n'êtes pas le premier groupe militant qui existe, mais vous êtes le plus jeune aujourd'hui avec les Beastie Boys. Comme eux, vous combattez le racisme et les injustices. Est-ce difficile de négocier avec tous les gouvernements qui sont impliqués dans les causes que vous défendez? Et comment vous y prenez-vous et ne craignez-vous pas d'être un jour censuré à tout jamais? Je n'ai pas peur en fait. Et on ne peut pas vivre dans la peur, car on mêle nos convictions dans notre art, notre musique. Et puis les gens sont libres de nous suivre ou pas. La police nous a boycottés dans notre propre pays. Il y a très longtemps, on a eu des problèmes avec les autorités françaises qui n'aimaient pas nos t-shirts, où au dos était inscrit la recette du cocktail Molotov. On a dû retourner chez nous à cause de ça. Il faut prendre les choses comme elles viennent. Ce qui pourrait devenir un problème, c'est qu'on se mette à changer notre musique et notre personnalité par peur des forces répressives externes. Nous, on a la chance d'avoir le beurre et l'argent du beurre. On vend des millions d'albums tout en ayant un impact social. On a également pu verser de l'argent pour des causes qui le méritaient. On peut faire des gros doigts aux flics et à ceux qui se mettent en travers de notre route. Et on fait bouger les jeunes tous les soirs en concert, donc il n'y a pas à se plaindre. C'est marrant, c'est un peu comme les sports extrêmes. C'est un mode de vie extrême. On fonce et on ne se pose pas trop de questions. Quand tu fais du snowboard, tu ne penses jamais que tu vas te prendre un rocher. Nous, c'est pareil, quand on joue, on ne pense pas que la police va venir nous cogner dessus, même si elle est là. C'est marrant quand même. Une question Internet. Pour un groupe militant qui essaie d'aider les opprimés, beaucoup pensent que vous devriez vivre dans les mêmes conditions que ceux que vous aidez. Quels sont les petits luxes dont vous auriez du mal à vous défaire? Mon camion.
Il a un super camion auquel il est très attaché. Une fois, j'ai proposé de le faire exploser dans un clip. Je ne suis pas particulièrement attaché aux biens matériels. La voiture que je conduis tous les jours est celle que j'avais quand je suis parti vivre à Los Angeles en 96. Donc le matériel compte très peu. On a de la chance car ce n'est pas comme si on était dans un monastère où tout notre fric serait géré par notre maison de disques. On vend beaucoup de disques et on est convaincu que tout travailleur a le droit de récolter les fruits de son travail et non pas les patrons, et dans ce cas, ceux qui ne jouent pas. Quand j'étais gosse, j'enregistrais beaucoup de cassettes au lieu d'acheter des disques. C'est mes potes qui me les passaient. Je voulais même envoyer 100 balles au groupe car je culpabilisais trop. J'avais envie de leur dire, c'est cool que votre maison de disques empoche le fric, mais c'est vous qui avez écrit cette chanson, et c'est vous qui devriez empocher le fric. Mais ceci n'est pas notre souci principal. Notre préoccupation majeure a toujours été de jouer de la bonne musique et d'assurer de bons concerts. Tu crois que c'est le plus important? C'est le seul luxe dont tu ne voudrais pas te séparer? J'aurais du mal à me séparer de mon van. Et en plus, il m'a coûté que 7000 dollars. Est-ce que ça ne serait pas tout simplement de donner des concerts? C'est ça qui compte. C'est vrai, c'est ça le vrai luxe. C'est notre devoir, c'est le fait d'assurer de bons concerts. C'est ce qui nous plaît le plus dans l'idée d'appartenir à un groupe. Sinon, ça craint. Moi, tant que je peux mettre de l'essence dans ma voiture et nourrir mes chiens, mon côté matérialiste s'arrête là. Il y a ta mère aussi. Ouais, je m'occupe aussi de ma mère. Mais bon, elle est indépendante. J'essaye de temps en temps de lui filer un coup de main. Il n'y a pas longtemps, j'ai reçu Sting dans le mag et il me disait qu'il commençait à perdre lui à cause de la puissance du son. Est-ce que vous faites attention à vos oreilles pour ne pas devenir sourd un jour? Non. Parfois j'y pense car mon père a un appareil et ça me fout les boules. Sur mon côté de la scène, les enceintes ne sont pas très puissantes. En plus, les miennes sont toutes petites. Oui, mais de mon côté, j'entends ton retour. Et ça, ça me détruit les tympans. C'est pour ça que je veux pas aller du côté de Tim. Ce qui peut vous arriver de pire si vous venez de mon côté de la scène, c'est d'atterrir direct aux chiottes après le concert. Je vous remercie beaucoup de votre présence dans la main. Et je vous souhaite un très bon concert. Merci beaucoup. Terminé. Voilà un groupe très intéressant. Je vous conseille vivement d'aller sur le site internet de Rage Against the Machine. C'est formidable. Alors, cette émission est rediffusée le dimanche à 15h et le mercredi à 21h30. N'oubliez pas que pour les futurs artistes, vous pouvez y poser des questions soit par Minitel, soit par l'internet, soit par téléphone. À la semaine prochaine. Bye bye.